Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caméra de VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, on s'attaque à la conception d'un panneau pour l'entrée de notre scène, d'accord? Donc, c'est plus un panneau de présentation. Donc, on va commencer par faire un mouvement caméra sur ce panneau pour introduire la scène et ensuite, on va se balader jusqu'à atteindre la maison qu'on va construire, d'accord? Donc, le panneau va être très simple. Vous allez voir, donc, je vais vous donner deux, trois petites techniques de modélisation comme d'habitude. Ensuite, on passera donc sur une séance substance pour le texturing, donc très rapide, donc sur la même session, hein. Du coup, on va coupler Blender et substance et faire notre asset pour ensuite demain l'importer sur notre scène finale. Donc là, on se retrouve donc directement sur Blender. Donc, j'ai recalé ma caméra. Je vais activer donc le screencast. Et je vais essayer d'aller assez vite puisque c'est des notions qu'on a donc déjà données. Donc, du coup, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va commencer ici par Shift A Mesh Cube. Donc, un cube qui fait 2 mètres par 2. On va le scale à 0,5 pour avoir donc une taille de 1 mètre par 1 mètre. On va scale ce tronc du coup sur X à 0,1 et sur Y à 0,1 pour créer une toute petite poutre de bois. D'accord? Cette poutre de bois, du coup, on va la surélever donc sur Z. Donc, en passant en mode Edit avec Tab, j'ai Z1 puisque du coup j'ai 1 mètre. Mais non, du coup, c'est la moitié. Donc, c'est 0,5. D'accord? Donc, 0,5. Pour avoir donc la moitié de 1 mètre. Je décale maintenant cette poutre donc sur X de 1 mètre également, donc 1. Je vais appliquer donc l'origine vers le curseur 3D pour avoir donc le centre de masse de mon panneau. Et je vais ensuite appliquer un modificateur de miroir. D'accord? Pour créer donc mon panneau, tout simplement. Ensuite, donc j'ai envie de scale un petit peu plus ces poutres. Donc on va les scale sur Z par 2. Voilà, pour leur donner un peu plus de profondeur. Et je vais les remonter à 0,5 pour les augmenter de 50 cm sur le haut. Voilà, donc là on a notre poutre de structure. Maintenant, on va créer donc la poutre centrale qui va être ici, donc Shift A Mesh Cube. On va scale donc ce cube à 0,1 pour avoir donc 20 cm d'épaisseur. On le rescale à 0,5 pour avoir 10 cm pardon, d'épaisseur. Et on le scale à 0,5 pour avoir 5 cm d'épaisseur. Donc là, si je regarde mes mesures dans éléments, on est bien à 5 cm. Okay? Je scale sur X du coup par 2 pour avoir donc 10 cm. Scale sur X pour avoir donc maintenant 2 mètres, donc 10. D'accord? Donc là, je suis à 1 mètre normalement. Voilà, 1 mètre sur X. Et là, je scale par 2 pour avoir 2 mètres. Je fais un GZ et je les monte à peu près ici. Donc là, c'est vraiment à vue d'œil. Hein. Donc on va les mettre à 1,90 m pour être précis. 1,9 m, voilà. Et là, je vais créer donc des petits morceaux de bois qui vont structurer ici en triangle la structure pour la consolider. D'accord? Donc du coup, on va faire un Shift S. Sélection, curseur vers sélection, excusez-moi, donc le curseur, on va l'aimanter à notre barre du haut. On va faire un Shift D pour dupliquer cette barre. On va faire un scale 0,5 pour lui donner donc 2,5 cm d'épaisseur. On va faire un scale sur X à 0,25. Voilà. Et là, une rotation sur Y, donc l'axe qui est face à nous, à 45 degrés pour l'incliner à 45 degrés. On va le déplacer sur G, X et du coup, je le décale à vue d'œil. Donc là, on va essayer de le décaler à 0,25. 85 sur X, on le descend sur Z, donc avec GZ, et on le décale un peu vers le bas, voilà, et là il faut que je le rapproche un petit peu, donc du coup on va le décaler donc à 0,9. 0,9 ça me paraît pas trop mal, même un peu trop, on va mettre à 0,86, voilà. Là on le remonte sur GZ un petit peu, et on le décale sur GX, voilà, donc là le but c'est de rentrer un peu le bois dans la structure en fait, hein. Donc là on va mettre des valeurs rondes, 0,88, et 1,8 au niveau de la structure. Parfait. Maintenant qu'on a donc cette jonction sur la droite, on va aimanter donc notre origine vers le curseur 3D. Donc Q origine vers curseur 3D, d'accord, pour l'aimanter par rapport au centre de ma scène. Si je ne suis pas sûr, je fais un Shift C pour recentrer mon curseur. Et à ce moment-là, je fais origine vers curseur 3D. Comme ça, je sais qu'il est parfaitement centré. Et là, j'applique un nouveau miroir, d'accord? Sauf que là, mon miroir est décalé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appliqué la rotation et l'échelle de ce mesh. Donc Q, rotation et taille. Et là, je sais que je suis dans le bon sens. OK? Voilà. Donc là, on a donc les poutres, la structure, enfin là, les structures de maintien et la structure de maintien qui est ici. Maintenant, on va créer donc deux petits anneaux qui vont soutenir donc les chaînes qui vont soutenir notre panneau qui est en dessous. Donc Shift A mesh, on va créer donc un tore. Ce torus, on va le scale par 0,1 et le scale par 0,5. On va le rotate sur Y à 90. On va zoomer sur ce torus avec point pour se centrer sur ce torus. On va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit. Et là, on va se placer pile au-dessus. Au-dessus, je vais sélectionner donc quatre faces comme ceci. Je vais faire un W et un Loop Tools cercle pour arrondir cette structure. Maintenant, je peux extruder cette structure sur Z. D'accord? Donc, je bloque l'axe Z, du coup, ce qui me permet de créer ma bague de maintien et du coup, la petite accroche qui va s'accrocher au bois. Okay?
On va faire un scale Z pour l'aplatir, cette structure, 0. Et là, je vais faire un contrôle B. Non, on va faire une extrusion à l'intérieur, donc ES pour extruder à l'intérieur, pour créer donc une bague de maintien sur le côté. Là, je vais subdiviser cet anneau donc une fois, d'accord? Donc une seule fois, pour lui donner un peu plus de structure, un peu plus d'arrondi. Et là, je suis pas mal, d'accord? Là, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Donc maintenant que j'ai ma bague, donc je vais la placer correctement. Donc sur GZ, on va la placer dans le bois, d'accord? Donc vraiment dans le bois, hein? Voilà. Parce qu'elle rentre un peu. On va la décaler sur X à peu près ici. Donc je vais regarder la valeur sur X. Donc là, on est à moins 0,67. Donc on va taper moins 0,67,5. On va appliquer donc l'origine vers le curseur 3D encore une fois. Donc Shift C si on n'est pas sûr qu'on est parfaitement recentré. Point pour se refocaliser sur l'objet. Q, origine vers curseur 3D. Et on applique un miroir. D'accord? Je peux appliquer ma subdivision avec CTRL A en laissant ma souris dessus pour appliquer mes niveaux de subdivision. Et je n'oublie pas de lisser mes anneaux déjà, comme ça sera fait. Et on va lisser également donc les normales à 180, puisque du coup, on n'a que des structures rondes. On n'oublie pas également de faire les normales pondérées avant le miroir. D'accord? Hop, comme ceci, à 100%. Et là, on est bon. Maintenant que mon miroir est appliqué, je vais appliquer donc la rotation, la taille pour avoir donc le miroir de l'autre côté, hein, du coup, voilà. Et là, c'est parfait. Maintenant, on va créer donc nos chaînes. Donc, pour les chaînes, c'est pareil. Donc, on va faire un Shift A mesh torus, d'accord. Donc, ce torus-là, il est où? Tac, tac, tac. Tor, voilà. On va faire donc un tab. On passe en vue de dessus avec 7. Donc, tab pour passer en mode edit. On passe en mode X-ray avec le rayon X qui est ici. On désélectionne tout. Avec B, on va choisir donc la moitié supérieure de notre torus. On va faire un GZ1. Hop, GY, excusez-moi, GY1, donc vers l'avant. Et on sélectionne donc la partie du bas. Et on va faire un GY en négatif, donc 1 moins. D'accord? Pour créer donc une espèce de bague de chaîne. Okay? Cette bague de chaîne, du coup, on va la scale à 0,1, on la scale à 0,5 et on la scale à 0,5. Comme ça, on est sur la même taille que les bagues qui sont ici. On la rotate sur X à 90, on la rotate sur Z à 90 pour l'orienter par rapport à l'axe Z, donc face à moi, et du coup qu'elle soit parfaitement alignée sur Y. Je décale cette première bague sur la gauche, voilà, et là je me rends compte que du coup elle est parfaitement parallèle avec mon anneau du dessus. Moi, c'est pas ce que je veux l'inverse. Donc rotation sur Z à 90 pour la replacer. Q, rotation taille. GX, pardon, excusez-moi, pour la décaler un peu. Voilà, GZ. Si je veux être parfaitement centré par rapport à cet anneau, qu'est-ce que je peux faire? Bah, du coup, sélectionner l'anneau. Recalculer donc là l'origine vers la géométrie, d'accord? Faire un Shift C, faire un Shift S, excusez-moi, un Shift S, donc curseur vers sélection. Maintenant je prends mon torus, Shift S, sélection vers curseur. Comme ça je suis sûr qu'il est parfaitement centré par rapport à mon anneau, ok? Maintenant que j'ai ça, je vais remettre donc l'origine au centre pour ma bague, hein, vu que je l'ai décalé. Donc Shift C, Q, origine vers curseur 3D, et là je récupère ma symétrie, ok? Ça va un peu vite, hein, mais du coup, vous allez voir que du coup, c'est des notions basiques de modélisation. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Surtout que là, on va faire tout l'asset tout l'asset d'un coup, quoi. D'accord? Donc, l'anneau, je viens de le placer pile au niveau de la jonction. Faites attention au X-ray pour pas que ça se superpose. On lisse donc l'ombrage avant de faire des duplications, parce que sinon, je dois faire sur chacune des duplications. Donc, ça va être un petit peu chiant. Donc, voilà, 180. On va faire donc les normales pondérées à 100% et on va les appliquer, les normales pondérées. D'accord? Comme ça, je suis bon au niveau de ma bague de chaîne. Maintenant que je vais faire un Shift D RZ 90 pour l'inverser. GZ, je vais la décaler donc vraiment en superposition, pas en soudure, hein, mais vraiment en superposition de l'autre. D'accord? Donc juste à la jonction. Je sélectionne maintenant les deux. Je fais un CTRL J pour les joindre. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Shift D, GZ. Et là, je duplique mon deuxième maillon. Ok? Je sélectionne maintenant les 4, CTRL J, Q, rotation taille, origine vers géométrie, Shift D, GZ, et je décale mes maillons sur le bas. Donc là, encore une fois, je vérifie que les jonctions sont propres. Voilà, je les superpose. Parfait. OK, on a créé notre première structure. Donc le panneau va arriver à peu près ici, quoi. Maintenant, je veux dupliquer ça de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je fais? J'unis mes maillons ensemble, donc CTRL J pour les unir, Q, rotation taille, origine vers géométrie. On recentre donc là le curseur. Donc là, je sais qu'il est centré, donc Q. Origine vers curseur 3D, on applique un miroir pour le placer de l'autre côté. Okay? Pour l'instant, je laisse mes miroirs intacts. D'accord? Je ne les ai pas appliqués. Hein. Regardez, là, tous mes miroirs ne sont pas appliqués. Okay? Très important. Maintenant, on va faire un Shift A mesh cube.
Scale 0.1 pour la structure, quoique non, là on va faire donc un panneau donc de 2 mètres, on a 50, donc on va faire 0.75 en termes de taille. Scale sur Y à 0.1 pour le mettre donc à 10 cm, 20 cm, excusez-moi. Scale Y 0.5 et scale Y 0.5. Voilà, comme ça j'ai une épaisseur un peu cool. On va dupliquer mes anneaux qui sont ici, donc Shift D, R, X 180 pour les inverser sur 180 degrés. On va les remonter sur GZ pour les placer sur mon panneau. D'accord? Donc le panneau qui est là. Le panneau, on va faire un scale Z à 0.5 pour lui donner donc la moitié de son épaisseur. On va le remonter au niveau des anneaux. Voilà. On va prendre donc les anneaux plus le panneau, donc avec Shift, clic. Et là, on va remonter les deux structures dans l'anneau. Sauf que là, je me rends compte que du coup, je n'ai pas le nombre de maillons nécessaires pour associer mon panneau avec la chaîne. Donc comment je fais? Bah, je sélectionne ma chaîne. Je désélectionne tout, j'appuie sur L sur le dernier maillon, je fais X et je le supprime, tout simplement. Je resélectionne mes anneaux, je resélectionne mon panneau et je le monte sur le haut pour le caler ici. Et là, on a un joli panneau suspendu. Parfait. Okay? Maintenant, je prends mon panneau, donc on va faire un tab pour passer en mode edit. Avant ça, on applique donc la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, très important. On sélectionne la face de devant, on appuie sur I pour inset, pour intercepter. Pour créer une face interne, si vous voulez, donc I comme inset, donc c'est interne. On fait une extrusion sur Y et on déplace vers l'intérieur, d'accord? Donc là, j'ai pas de valeur, mais on pousse pas au-delà, hein, d'accord? Donc faites attention de ne pas dépasser le plan de base. Il faut que vous voyez la face, comme ceci, pour créer une épaisseur. Maintenant qu'on a ça, on va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. On va créer du texte sur ce panneau, donc Shift S. Oh, excusez-moi, Shift S, voilà, donc. Curseur vers sélection, Shift A, mèche, texte. Ce texte-là, donc du coup, apparaît ici. On va faire une rotation sur X à 90. Tab pour écrire ce que vous voulez écrire. Donc là, nous, on va écrire The Shire. D'accord? Donc c'est la comté. The Shire. Sur le panneau de droite, on peut retrouver donc les propriétés par rapport à ce texte. Donc nous, on va le centrer. Et on va changer la police d'écriture. Donc là, au niveau de la police, on a ici donc police. Vous cliquez sur le petit dossier, vous tombez directement sur le dossier police de Windows. Et nous, on va choisir une police un petit peu Moyen Âge, un peu stylée, un peu cool, quoi. Donc là, j'avais trouvé celle-là. Voilà, donc voilà, Dancing Script. Ou une autre qui était aussi pas mal. Ok, voilà, celle-là. Celle-là. Great Vibes. Celle-là, sympa. Great Vibes. Et du coup, on a une police magnifique. Maintenant, je vais donner donc de l'épaisseur à cette police. Donc géométrie, on va extruder. Cette géométrie, donc à 0.05, à peu près, comme ceci. Voilà. Je vais scale cette police, donc à 0.5 et 0.5, encore une fois. Je vais la caler sur mon panneau proprement. Donc sans la désaxer, hein, très important. Voilà. Hop. Je vais la pousser à l'arrière, comme ceci. Et là, je vais faire un Alt-C pour la convertir en mèche. D'accord? Donc maintenant, ce n'est plus du texte, c'est un mèche. Avant de continuer, il faut nettoyer cette géométrie qui est absolument disgracieuse, hein, d'accord? Parce qu'on a, on a que des triangles et du coup énormément de géométrie. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un face et c'est tri vers quad, d'accord? Pour transformer donc les triangles en quad. On va faire un decimate, donc ajouter modificateur decimate. Je vais ici donc désubdiviser cette géométrie et du coup donc enlever les faces. Donc on peut descendre hein, un peu, voilà. Donc là je suis à combien? 15 000, donc ça ne descend pas plus. On va essayer un repli éventuellement. Voilà, repli. Donc repli, c'est pas mal, mais on peut faire attention aux jonctions. Voilà, donc là, c'est pas mal, je pense. Donc là, on est descendu à 8906 faces. C'est pas mal, ouais. On peut laisser comme ça. Donc CTRL A pour appliquer, Tab pour repasser en mode edit. On sélectionne tout notre texte, on fait un dissoudre dégénéré deux fois. Voilà, tant qu'il y en a, on le fait. Hein. Donc dissoudre dégénéré, c'est pour nettoyer la géométrie, rappelez-vous. Fusionner par distance, bah pareil. Donc là, encore une fois, dissoudre dégénéré, fusionner par distance, supprimer isolé. Et là, on est bon. On va faire un W, donc ombrage lissé. On va faire un lissage des normales, donc à 180. Hop. Donc là, sauf que 180, ça m'arrondit donc les angles et du coup les bordures, alors que c'est plat. Donc c'est pas 180, c'est 89, pour avoir donc une parfaite jonction. Et là, je fais mes normales pondérées. Normales pondérées, à 100%, j'applique donc mes normales pondérées. Sauf que là, il me demande vraiment des angles. Donc là, ça veut dire que la géométrie ici, ben voilà, elle est complètement pétée. Donc on ne va pas faire de normal pondéré. On va uniquement faire un lissage à 89 degrés. Dans ce cas-là, pas besoin de normal pondéré. Parfait. Donc maintenant que j'ai mon texte qui est propre, bah ben voilà, hein, il est posé. Ce panneau-là, j'ai envie de lui donner un petit peu plus de structure, un peu plus de sympathie, puisque le côté carré, ça fait trop carré. Donc on va le subdiviser. Donc subdivision de surface. Donc une fois
deux fois, trois fois, quatre fois, pour avoir donc des angles vraiment très jolis. W pour faire un ombrage lissé, on va lisser ce panneau à 180 degrés, et là par contre on va faire des normales pondérées. D'accord? Donc ajout, normales pondérées. Hop. On place donc avant la subdivision à 100% et on l'applique. Voilà, j'applique également au niveau de subdivision. Je décale mon panneau, donc je le scale par 1.5, beaucoup trop, 1.25, excusez-moi. Je le décale sur Z et là, je viens le placer pile sur les anneaux, comme quoi ils sont en train d'être maintenus, d'accord? Donc là, ils ne sont pas parfaitement en jonction, donc je recule un peu mon panneau pour qu'il soit parfaitement en jonction. Voilà, et là, c'est parfait. Mon texte, du coup, lui, il est un petit peu trop avancé, donc on le recule un peu. Voilà, sans qu'il dépasse de l'autre côté. Hein. S'il est trop grand, on le scale sur Y pour le rétrécir. Et là, on est pas trop mal. Voilà, comme ceci. Tac, enfin, ça dépasse encore un peu. Voilà, on va faire un GZ. Et là, le but, c'est de se placer en face et du coup, de voir l'écriture vraiment bien. Donc, GZ, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On sélectionne notre panneau, donc Shift-C, Shift-C, n'importe quoi, Shift-S, curseur vers sélection. On sélectionne notre texte, Shift-S, sélection vers curseur, et là, il est parfaitement centré par rapport au panneau. Parfait. OK ? Et voilà, on a créé un panneau en quelques secondes. Donc maintenant, pour le dépliage V, pour l'amélioration de ce panneau, donc ça va être très simple. On sélectionne donc notre poutre de gauche, on va ici appuyer sur Tab, on va d'abord donc déplier notre UV, donc CTRL-E pour marquer donc les coutures partout, d'accord ? Voilà, on fait un U pour déplier nos UV. Pareil sur cette poutrelle, CTRL-E, marquer couture UV, U, déplier les UV. Avant ça, j'applique donc la rotation et la taille de tout. Hein. Rotation et taille, voilà. Donc U, je resélectionne cette barre, si elle veut bien, U, déplier. Non, là, ça ne prend pas la normale, ça prend uniquement la couture. Voilà, donc on prend par la normale, U, déplier. Je désélectionne, je resélectionne ma poutre, donc U, déplier. Hop. Voilà, je sélectionne ma jonction, donc ici, Tab, on sélectionne tout, CTRL-E, CTRL-E, marquer couture UV, U, déplier. Voilà, la chaîne et les gonds, pas besoin parce que c'est du métal, par contre le panneau, oui. Donc le panneau, en fait, on va garder donc, le contour intact et du coup uniquement la structure centrale seule. Donc je vais prendre ici donc, la petite bordure qui est là, d'accord, donc là, vraiment pile au niveau de la jonction, CTRL-E, marquer couture UV. Voilà. On va dissocier également donc, la partie arrière avec la partie de devant. CTRL-E, marquer couture UV. Et là, on va casser donc, les bords, donc les jonctions, donc à peu près ici, donc au niveau du panneau. Donc là et là. CTRL-E, marquer couture UV. Pareil de l'autre côté. Donc coupe centrale. Hop. Et je dissocie les deux parties ensemble. CTRL-E, marquer couture UV. Ce qui va me permettre de créer une rainure un peu cool dessus, quoi. Donc là, U pour déplier donc, ce mesh sur les UV. Voilà, le texte, pas besoin, parce que ce sera du métal également. Et maintenant qu'on a ça, on peut faire nos bevels, d'accord ? Donc, avant ça, on va donc déstructurer un petit peu la poutre. On va redresser nos UV proprement pour après pouvoir les emporter sur substance sans problème. Et après, on pourra les modifier, les améliorer un petit peu, d'accord ? Donc là, on passe dans l'édition UV. J'analyse un petit peu la structure que j'ai ici, donc on va faire un CTRL-J global de tout le mesh. Donc je sélectionne tous mes éléments, comme ceci. Quoique, d'abord la déformation après l'application, donc là on va faire d'abord ça. Donc CTRL-J, pas encore du coup, donc je vais déplier ce mesh-là, voilà exactement. Donc là on a donc les structures de notre planche, donc ici, cette planche-là est également horizontale. Les embouts, donc les petits bouts en fait qui vont au-dessus, donc les bases sont bonnes. CTRL-A, CTRL-P pour les impacter. Parfait. J'applique mon miroir, d'accord. Et là, je redéplie le tout. Donc U, déplier. Et là, j'ai mes deux poutres. On sélectionne celle du haut. Donc là, pareil, j'analyse un petit peu. Donc là, c'est des structures horizontales. Donc Rotate 90. CTRL-A, je sélectionne tout. CTRL-A, CTRL-P. Sans les tourner, du coup. Donc je ne veux pas tourner mes îlots, pardon. Donc là, c'est bon. Je sélectionne ces poutres-là. Donc là, j'applique mon miroir. CTRL-A, en mode objet, excusez-moi. CTRL-A, j'appuie sur Tab, je sélectionne donc tout ça, CTRL-A, CTRL-P, je les redresse, donc là, elles s'orientent comme ça, donc du coup, ça veut dire qu'elles sont de base horizontales, d'accord. Donc on fait L, 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 L sur toutes les poutres verticales, R90, CTRL-A, CTRL-P, et je les impacte, ok. Donc là, c'est bon. Les chaînes, pas besoin. Le panneau, on va le regarder à quoi ça ressemble, donc U, déplié, voilà, donc ça ressemble à ça. On a donc les deux zones circulaires qui sont, elles,
horizontale, comme ceci, et les deux contours qui sont horizontales également. Donc LL, R90. Voilà. Cette structure horizontale, donc on va les laisser telles quelles pour avoir donc la déformation de la texture. Ou sinon, on va limite, on peut les rectifier. Donc là, on va faire LQ rectify. Sauf que là, en rectifiant, vous voyez, donc ça ne tourne pas le reste. Donc ce qui veut dire que du coup, là, je ne peux pas les rectifier. Donc on va les laisser dans le sens de lecture. Donc là, je vais activer la synchronisation pour voir à quelle partie j'ai affaire. Donc celle-là, c'est celle du bas. Donc parfait. Et celle-là, c'est celle du haut. Donc je désactive la synchro. Je resélectionne mon mesh complètement. Je sélectionne l'UV du bas et je la rotate à 180 vers le haut. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, et là j'empaquette mes UV. Maintenant qu'on a fait nos UV, on peut améliorer la structure, d'accord? Donc là, la poutre, du coup, on va faire donc les bevels. Donc CTRL B pour créer donc une zone de bevel. On va taper une valeur de 0,05. 0,05. Oh, c'est beaucoup trop. 0,005. Voilà. Hop, donc là on est bon. On prend celle-là, donc tab, CTRL B 0,005. Voilà, on prend celle-là, CTRL B 0,005. Comme ça on a deux poutres. Donc là c'est limite un peu trop. Et en sachant que j'ai donné combien de segments? Un seul? Ouais, donc c'est pas bon, excusez-moi. Du coup j'ai fait n'importe quoi. Donc CTRL B 0,005 avec trois coupes, d'accord? Donc deux supplémentaires et l'arête qu'on divise. Celle-là pareil, donc CTRL B 0,005 avec trois coupes. Comme ceci, et celle-ci, CTRL B 0,0025 avec une coupe supplémentaire. Voilà, donc là, c'est bon, nickel. Maintenant, on peut lisser donc l'ombrage, W, ombrage lissé, ombrage lissé. On va faire donc ici le lissage des ombrages, donc au niveau des normales, à 89 degrés. Là, pareil, 89 degrés et 89 degrés. Maintenant, sur ces poutres-là, je vais rajouter un peu de bruit pour donner un peu d'aléatoire, parce que là, c'est vraiment trop straight, trop parfait. Donc, CTRL-R pour rajouter donc 5 coupes, comme ceci, donc 5 boucles. Pareil de l'autre côté, CTRL-R, 5 boucles. Voilà, pareil sur le poteau du haut, CTRL-R, 5 boucles. Et pareil sur les petites structures, CTRL-R, 3 boucles. Voilà. Maintenant, je vais appliquer donc un déplacement sur ces poteaux, donc ajouter déplacement. Voilà, on déplace donc la géométrie, on crée une nouvelle texture. Donc cette texture va être donc les poutres principales. Hop, excusez-moi. Donc P principal. Ça, ce n'est pas les textures qu'on va garder. Hein. Donc là, c'est juste pour les renommer, pour que vous puissiez identifier sur quoi on travaille. D'accord? J'applique une texture de nuage. Donc là, actuellement, elle est beaucoup trop forte. Donc on va augmenter les valeurs à 24. Je vais augmenter donc la taille à 1,5. Voilà. Et on va réduire donc la force à 0,1. Voilà. Donc on veut juste créer la déformation au niveau des poutres, mais pas forcément des grosses structures vraiment bourrines, quoi. Donc là, en termes de taille, de texture, on peut limite ouais, réduire un peu hein, à 1. Voilà, 1, c'est parfait. Okay? Ça déforme un peu les poutres, ça leur donne un peu un côté aléatoire. On fait la même chose au-dessus, donc ajouter déplacement. Ici, donc on met une force à 0,1. Je crée une nouvelle texture qui va être donc la poutre donc du coup du dessus. Donc là, je ne la renomme pas, vous savez que c'est la poutre du dessus. On va mettre un noise à 24. Et la taille, je vais l'augmenter à 1, pareil, voilà, à peu près, pour la déformer, du coup, donner un bois un peu sculpté, un peu aléatoire. Okay? Pareil pour les petites structures ici, donc ajouter déplacement. 0,1 au niveau de la puissance. On crée une nouvelle texture. Cette texture-là, du coup, on va la renommer donc ici en nuage. On va mettre une profondeur à 24 et une taille à 0,1. Bah, à 1, ça risque d'être limite, parce que du coup, c'est vraiment très dense. On va mettre peut-être à 2. À 2, et on va réduire donc la force ici donc à 0,02. Voilà. Juste pour donner un petit peu de côté déformé, mais pas trop non plus. Là, c'est limite pas assez. Peut-être à 1, en termes de force. Non, peut-être pas. Moins. Voilà, peut-être à 0,20. 0,25. 0,25, c'est pas mal. Et ça me déforme mes petites géométries. Parfait. Maintenant, on va appliquer ces modificateurs, d'accord? Donc, je sélectionne tout, j'applique tous les modificateurs, donc Apply All, et là, on va joindre tout ça, d'accord? Maintenant que j'ai mes UV, que j'ai mes structures propres, c'est parfait. Donc, on sélectionne tous les éléments, d'accord? Donc, le texte aussi, CTRL-J pour les joindre, Tab pour passer en mode Edit, je sélectionne tout pour voir mes UV, d'accord? Donc là, le but, c'est vraiment d'isoler donc la chaîne avec le reste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne uniquement donc la chaîne, donc les maillons de chaîne. D'accord? Donc tous les maillons, hein. Voilà, donc les anneaux également. Le texte. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est sélectionner donc les grosses parties, hein, ça sera plus simple. Donc L pour sélectionner les poutres.
le panneau, voilà, et on fait un CTRL-I pour inverser la sélection, c'est beaucoup plus simple. Là, on va faire un A scale 0, donc je scale cette UV à 0, je l'annule, ok. On va assigner un matériel donc ici qui va être donc M-fer noir. Donc M-fer noir. Voilà, on assigne donc ces parties-là. CTRL-I pour inverser. Donc là, ça va être du bois sauf le panneau. D'accord? Donc là, je redéplie. Pourquoi j'ai pas mes UV ici? J'ai pas mes UV parce qu'on ne les a pas redépliés. Ouais, donc ça, c'est un gros problème aussi que je voulais montrer. J'espère que j'ai assez de CTRL-Z, parce que sinon je vais devoir tout recommencer. C'est juste avant de les associer en fait. Non, j'ai pas. Là, le problème, c'est qu'en fait, voilà, c'est quand on associe en fait un mesh qui n'est pas déplié, du coup, à la fin, donc le dernier qu'on sélectionne, c'est lui qui va prendre l'identité en fait des choses, quoi. Donc là, vu que j'ai pas de carte UV maintenant qui a signé, vous voyez, j'en ai deux. Du coup, ça veut dire que là, alors attendez, que je sélectionne donc ça. Là, j'ai mon UV map. Donc celle-là, si je la supprime. Voilà, je récupère ma carte UV. Vous voyez, en fait, ça m'a créé deux instances d'UV. Donc, bien faire attention à ça. Donc, la carte UV, donc c'est bon. Donc, comme j'ai dit, donc on sélectionne donc le panneau. Donc, le panneau, ça va être donc un M panneau. M-panneau. Voilà. On le désélectionne. On sélectionne donc les poutres. Lui, ça va être donc du bois. D'accord? Donc, je crée un nouveau matériel. Donc, M-bois. Tirer le panneau, d'accord, parce qu'on aura plusieurs types de bois dans la scène. Donc là, je fais un CTRL A, CTRL P pour les empaqueter, d'accord, sans les tourner, hein, pour les associer ensemble. Parfait. Et là, on va créer donc un autre qui va être le M-fer. Donc nouveau. M-fer. Maintenant, je passe en mode edit, je désélectionne tout, je sélectionne mon panneau. Donc là, ça me prend mon panneau et mes chaînes, d'accord. Donc je fais un L sur le panneau. Pourquoi ça m'a pas pris les poutres? Ouais, c'est ça. Donc là, M, L, 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 L. Voilà, on assigne donc le bois panneau, excusez-moi. Maintenant, on sélectionne donc le panneau, CTRL-I pour inverser. On assigne le fer. Voilà, et là, normalement, c'est bon. Je vais changer les couleurs en fait, des matériaux pour voir un petit peu si tout est bon ou pas. Hein. Donc là, on va mettre un voilà, marron. Et le panneau, on va mettre quelque chose de vert. Voilà, vert, comme ça, un peu cool. Voilà. Hop, je regarde. Donc là, c'est bon, normalement. Voilà, on a bien du noir sur la chaîne, sur le texte. Et là, c'est parfait. Nickel. Donc, je vérifie une dernière fois donc, mes UV. Donc, du coup, là, on sélectionne donc, tout le bois. Donc, j'ai bien le panneau. OK. Là, j'ai bien le contour. OK. Là, j'ai bien le fer. Nickel. Parfait. Voilà. Donc, là, c'est bon. OK. Voilà. Là, notre panneau qui est fait et du coup, qui est prêt pour le texturing. Donc, du coup, pour le texturing, je pense pas qu'on va le faire aujourd'hui. Hein, du coup, on le fera une autre fois. Mais en tout cas, il y a juste des textures à appliquer, du coup, à peindre, etc. Donc, on va faire quelque chose d'assez stylisé. Vu que c'est le premier plan, il faut quelque chose d'assez détaillé. Donc, on va faire un asset en 4K, d'accord, avec des belles textures vraiment très jolies pour pouvoir passer dessus avec la caméra sans problème. Et après, on naviguera dans le champ pour nos assets, d'accord? Donc du coup, vendredi, pas de session Unreal, parce qu'après, on va faire une grosse session import lundi, je pense. On va importer pas mal de choses, on va mettre en place déjà pas mal d'éléments, et on va commencer à construire notre maison. Donc merci à vous, du coup, je vous dis à demain sur Substance. Ciao, ciao!